Et jamais, nous avons un orateur de taille. Nous avons un homme qui parle bien, que Dieu a appelé depuis sa jeunesse, que Dieu a mis à l'écart, que Dieu a oint, que Dieu a établi. Oh, il faut dire amen. Il faut aimer le messager pour aimer le message. Qui dit amen. Quand il parle, les démons tremblent. Quand il déclare, la sorcellerie s'évapore. C'est un ami personnel, je l'aime parce qu'il a le feu. Moi, j'aime les gens qui ont le feu. Amen. Donc, sous une pluie d'acclamations, nous recevons le pasteur Thierry Chinkola. Hé, hey, donnez-moi là, donnez-moi Amen. Ça. Lélondé, lélo, yo, lélondé, lélo, lélondé, lélo, yo. Lélondé, lélo. Ah, lélondé, lélo, yo. Lélondé, lélo. Nous bénissons ces temps, Seigneur Jésus. Nous ramenons nos pensées à l'obéissance de Christ. T'invitons, Seigneur, pour que tu règnes en ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi s'écarte de ces lieux au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit puisse mouvoir en ces lieux et que le royaume des ténèbres soit puissamment troublé par la puissance de Dieu. Laisse que, Seigneur, que les anges travaillent avec nous et que tout ce qui se fera en ces lieux soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous un Amen fort. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous reprenons nos places. Je tiens à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de vous apporter la parole. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète Ézéchiel, qui a organisé aussi cette manifestation et qui me permet de vous aborder aujourd'hui d'un sujet capital. Sur la manifestation du royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 21. Marc 1 à partir du verset 21. Je lis selon parole de vie. La Bible dit, Jésus et ses disciples arrive à la ville de Capernaum le jour du sabbat. Jésus entre dans la maison de prière, il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme le maître de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier. Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour nous, notre malheur ou pour nous perdre? Je sais bien qui tu es. Tu es le saint que Dieu a envoyé. Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits impurs. Ils lui obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Note ce soir comme thème l'homme qui menace les esprits impurs. Alléluia. C'est un thème un peu bizarre, mais c'est ça le thème. Je n'ai vraiment pas le choix. Quand on parle du royaume, c'est vraiment les démons, c'est les maladies, c'est
des choses comme ça. Amen. Nous sommes dans un contexte où Jésus-Christ commence. Marc ne présente pas Jésus-Christ comme quelqu'un qui vient blaguer. Marc commence son introduction avec un homme qui est en colère de traiter un problème qui est dans une synagogue. Marc ne va pas en dehors de la synagogue. La synagogue étant l'église de l'époque, elle représente l'église. Marc entre directement dans la confrontation du royaume des cieux et du royaume des ténèbres. Marc est en train de dire que dans l'église ou cette synagogue, il y avait un homme qui la fréquentait ou qui fréquentait cette synagogue, mais cet homme avait des soucis spirituels. Tous les jours, cet homme y allait, mais son problème n'était pas solutionné. Et Marc voit, n'est-ce pas, l'intérêt de commencer son message, bien son évangile, en présentant le Christ de la délivrance, le Christ de guérison. Et le premier chapitre ne parle que de Christ qui fait des miracles. Donc pour Marc, dès l'entrée, il y a un message fort. C'est qu'il y a le royaume des cieux qui est, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. C'est la même chose, Basileia, tout est où, qui vient parmi les hommes, qui vient, n'est-ce pas, détruire un autre royaume qui prenait le contrôle du monde. Marc commence son évangile pour dire qu'il y a une confrontation de puissance. Et ignorer ça serait une grosse bêtise. Ça sera même comme une sorte de non-assistance en personne en danger. Donc ce serait très dangereux de ne pas assister les gens qui sont dans le besoin. Et le royaume vient avec un message percutant pour détrôner les diables qui régnaient. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 12 parlant de l'homme fort. Il va dire, lorsqu'une maison est occupée par un homme fort, ça va prendre le deuxième homme fort. Le deuxième homme fort viendra, il va détrôner, il va lier le premier homme fort. C'est alors qu'il sera capable de piller sa maison. C'est toujours une sorte de présentation du royaume. C'est aussi encore le royaume qui est présenté ici. C'est toujours le royaume de ceux qui est présenté. Donc vous comprenez avec moi que le royaume, c'est la sphère où Dieu règne. C'est là où Dieu domine. C'est là où il y a la domination divine. Et quand Dieu domine, Dieu ne peut pas coopérer. Dieu ne peut pas négocier. C'est un rapport de force. Avec Dieu, c'est un rapport de force entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il y a une guerre des deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Maintenant, la guerre là, descend sur la terre. Mamlaka. L'homme a été doté d'une autorité, de régner. Cette autorité, Dieu lui avait donné. C'est là qu'on parle de Mamlak. Donc Dieu lui a donné cette autorité. Il devait régner sur la terre. Mais l'homme a abdiqué. L'homme a cédé son autorité. Il a donné ça à Satan. Et Satan commençait à régner. Il domine sur l'homme alors que l'homme devait dominer sur tout. Nous sommes dans les royaumes. Dieu a tout fait pour régner dans l'homme. L'homme n'a pas voulu. Dans tout l'Ancien Testament, vous voyez la démarche de Dieu de vouloir reprendre l'homme et de dominer l'homme, de diriger l'homme. Mais l'homme a manifesté la rébellion. Lorsqu'Israël va demander à Dieu, par Samuel, un roi, Dieu va dire, ce peuple me rejette, je lui donnerai les rois qu'il cherche. Donc nous sommes toujours dans cette démarche. Dieu voulait régner parmi les hommes. Dieu voulait régner dans l'homme. Et Dieu veut régner dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, le royaume de Dieu doit s'imposer. Il n'y a pas de négociation avec le monde des ténèbres. Il n'y aura jamais de réunion pour parler avec des équipes ou bien des gens qui vont jouer comme dans certains pays. Il y a des synchros, il y a des gens qui jouent les médiateurs. Il n'y aura pas de synchros, il n'y aura pas de médiateurs entre Dieu et Satan. C'est un problème c'est un combat spirituel. C'est un problème de confrontation. Qui est fort? Celui qui est fort, c'est celui-là qui va régner. Il n'y a pas question, non, on va négocier, faisons la paix. Il n'y aura jamais le cessez-le-feu entre Jésus-Christ de Nazareth et le petit Lucifer qui a cru devenir Dieu. Jamais, frères et sœurs, qu'on ne vous leurre pas, qu'on ne vous trompe pas, ne vous leurrez pas. Il y a une confrontation. Et je trouve anormal qu'un homme de Dieu, loin, rempli par Dieu, puisse mécomprendre le royaume des cieux.
Dans les royaumes, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de possession. Donc si le royaume vient parmi les hommes et se manifeste, il doit y avoir des signes du royaume. S'il n'y a pas de signes du royaume, c'est que ce n'est pas le royaume des cieux. Non, 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 je ne peux pas. Le royaume des cieux, lorsqu'il descend plutôt, il manifeste ce qui est au ciel. Comme au ciel, il n'y a pas la maladie doit être éradiquée parce que le royaume des cieux est venu parmi les hommes. Donc le royaume ne peut pas se manifester sans signe palpable, sans signe visible. Pour que le royaume se manifeste, il faut qu'il y ait du palpable, Katarabaya. Il faut qu'il y ait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Des choses qui vont te bouger de l'intérieur. Tu étais malade, tu retournes guéri. Tu étais possédé, tu retournes délivré. Là, c'est le royaume des cieux. Korabaya Satan. La Bible dit, ces gens font dire, c'est Jésus parle comme un homme ayant autorité. Jésus n'est pas venu prêcher comme les Sanhédrins. Il n'est pas venu prêcher comme les pharisiens. Il n'est pas venu prêcher comme les théologiens. Il est venu prêcher comme celui qui a la révélation. Il avait les prophétiques et il avait l'apostolique. Magara mayasa. Hey, yanda karabayasa. Il voit et il opère. Il voit comme prophète et il opère comme un apôtre. Parce qu'un apôtre, il parle comme un prophète. Il traite ton problème. Maintenant, il vient comme un apôtre, comme un destructeur, comme un planteur, comme un bâtisseur. Il restaure ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Parce qu'il m'a mandaté pour annoncer la bonne nouvelle à une famille. Il m'a mandaté pour dire à quelqu'un que Jésus, il ne peut pas faillir si tu crois en lui. Il ne peut pas faillir si tu lui fais confiance. Oh. Que Jésus ne faillit jamais. Jésus ne peut pas faillir, mon frère, ma soeur. Jésus ne peut pas faillir. J'aimerais te dire que ton cas est traitable et ça sera traité. Oh my God. Acclame le Jésus qui ne faillit jamais. Il ne peut pas faillir. Il y a certains sorciers qui sont déjà en colère parce que je suis né pour détruire les œuvres du diable. Je suis dérangé de ne pas chasser les démons. Il faut toujours que je les dérange. Des fois, tu lis les textes, tu as bien préparé, mais trop de théologie. Les gens ont besoin de choses. Des fois, trop de théologie, ça délit. Je me rappelle un jour, on devait prêcher une conférence. J'ai préparé 8 pages. 8 pages. Je dois tout lire pour être correct avec. Ça frustre l'esprit. L'esprit n'aime pas ça, Thierry. L'esprit n'aime pas ça. Lis un peu presse. Bon, tu ne peux pas être tout le temps lié au texte. Allez. Frères et sœurs, ce n'est pas normal, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu blaguer, frères et sœurs. Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum, dit Capernaum. Le jour du sabbat, dit le sabbat. Jésus est notre sabbat permanent. 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 Il est notre sabbat permanent. Dès que tu le croises, tu es sabbatiquement affecté. Il t'affecte sabbatiquement. Donc ta vie change. Parce que tu ne peux pas croiser le Jésus du sabbat sans être sabbatiquement touché. Hey! Le sabbat te donne la paix. Le sabbat te donne le repos. Le sabbat, c'est l'image du royaume là où l'homme se repose dans la paix. Que le royaume de Dieu descende ici.
il y aura la paix dans une famille. Que le royaume de Dieu descend ici. Il y aura la joie dans un couple. Que le royaume des cieux descende ici. Il y aura la guérison. Il y aura la délivrance. Ça, c'est le royaume des cieux. Le royaume qui apporte le sabbat. Mon Dieu, mon roi. S'il y a des gens qui sont en vie dans cette salle, c'est parce qu'il y a le sabbat au racheté. Une église du sabbat. Il dit, il n'enseigne pas comme le maître de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Parce que ces gens-là, vous savez, lorsqu'on reste trop dans les dogmes, dans trop de logique, on commence le culte comme ça, on doit finir comme ça. Donc il n'y aura pas la place du Saint-Esprit. Si on commence, au lieu de confesser, on commence à adorer Dieu. Vous allez voir un frère qui est trop dans la logique. Il pense que l'église c'est l'intellect. Les choses de l'esprit c'est l'esprit. On commence, on ne chante pas. Efface nos péchés. Que ton sang qui purifie. Des gens qui sont liés à des sangs de cantique. Au lieu qu'on avance, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Donc toi, pour que tu commences à... Tu attends les péchés, tu viens confesser ici. Quittez cette étape-là. On peut venir ici, au lieu de ton sang, on commence à adorer Dieu. Parce que à un certain âge spirituel, on n'attend pas l'église pour confesser. C'est quoi ça? Tu vas venir ici pour que tu me lis, que moi je t'entends toujours qu'il y a ton sang, pour que toi tu confesses. Oh, ça c'est un niveau très bas. Très bas. C'est de l'irresponsabilité. Il faut confesser déjà partout. À la maison, Tobis dans la voiture, confesse tes péchés, arrange ta relation. Dès que tu arrives, tu es déjà propre. Tu es déjà propre. Tu es prêt parce que tu sais qu'il y aura la manifestation du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Le royaume va se manifester aujourd'hui. Alléluia. On met la différence par l'auteur. Il dit, il ne prêche pas comme le maître de la synagogue, le maître de la loi. Il y a une différence entre un homme qui opère dans la dimension du royaume et les hommes qui opèrent dans la religion. Tu ne peux pas être dans le royaume et opérer comme un religieux. Tu vas empêcher les surnaturels de descendre par la religion. Tu es trop habitué au système. Le surnaturel. Le royaume ne se manifeste pas dans les systèmes. Le royaume viole certains principes pour se manifester. S'il n'y a pas violation des principes, le royaume ne va pas se manifester. C'est pour ça que vous allez voir Jésus violer plusieurs lois naturelles. Lui-même, Dieu, il viole ce qu'il a donné comme loi. C'est ça le royaume. C'est compliqué. Pour les gens qui sont trop bas, ils ne vont pas me saisir. Ils vont dire beaucoup de choses sur moi, j'accepte ça. Mais calcule bien que je maîtrise bien la Bible là. Je sais de quoi je parle. Merci. Le royaume viole certains principes. Parce que lorsque le royaume se manifeste, ça ne se manifeste pas comme toi tu l'attends. C'est un royaume de puissance. C'est bizarre les choses de Dieu. C'est compliqué. Tu peux dire à quelqu'un qui l'a fait déjà, oui, c'est ça le royaume. Comme des choses qui vont se passer tout à l'heure. Ça sera bizarre. C'est ça le royaume. Vous voyez, frères et sœurs, le royaume ne peut pas venir dans ta vie et te laisser comme tu étais. Non, 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 frère. Jésus entre dans la synagogue. Le même frère qu'on donnait le respect. Vous savez, certaines personnes sont dans nos églises parce qu'on ne les a jamais secouées. Vous les respectez par rapport à ses diplômes. L'église n'a pas besoin de diplôme. L'église a besoin de somme de l'esprit. On a dit, choisissez sept personnes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. On n'a pas dit qui ont des diplômes. Bien qu'on a besoin de diplômes. Mais d'abord, le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a des diplômes, mais qui est lourd spirituellement, qui vous retarde. Vous voulez
vient danser dans l'esprit, il vous dit, non, vous savez, étant donné qu'après avoir réfléchi, je pense qu'il faut délibérer à danser une assemblée. Quelle assemblée? C'est des gens comme ça qui retardent l'onction et qui bloquent l'onction de Dieu. C'est pour ça que le Jésus de la Bible, c'est un Jésus compliqué. Certains l'ont appelé charlatan. Il a traîné des foules derrière lui sans les corrompre. C'est ça le royaume. Il traîne des gens derrière lui sans les corrompre. Il n'a pas été démagogue. Certains ont pensé qu'il était un charlatan. D'autres ont cru que c'était un politicien. Il n'a pas fait la démagogie. Ce qu'il disait, ce qu'il donnait, c'était le message de Dieu. Mais quand le message du royaume descend, le message corrige ce que le diable avait détruit. Le message apporte la vie là où le mal avait pris place. Je vous apporte un message de la restauration, un message de la délivrance, un message qui guérit, un message qui résout les problèmes des gens. Cet homme était dans le temple, mais son pasteur n'avait pas vu sa maladie. Il était dans le temple, mais son pasteur ne comprenait pas. Pour son pasteur, c'était un homme posé, un homme poli. Il n'était pas du genre. Vous savez, il y a des esprits qui ne se camouflent que dans des hommes qui sont un peu sérieux. Et dans certaines personnes, vous allez croire que cette personne ne peut pas avoir des esprits, ou bien ne peut pas être tourmentée par un problème spirituel. Mais les esprits se cassent dans ces genres de personnes. Ce sont des fois des potentiels canaux par lesquels le diable véhicule certaines pensées ou combat l'église. Mais quand Jésus vient, il détecte l'esprit. Et les esprits s'agitent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un maintenant? Il y a des choses qui sont cassées dans nos vies. Ça prend la manifestation du royaume pour les traquer. Peut-être que toi-même, tu ne te connais pas. Mais quand le royaume va se manifester, tu vas comprendre que tu avais un problème dans ta vie, bien que tu étais à l'église. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont malades. Beaucoup de gens dans nos églises qui ont des problèmes. Plusieurs couples ont des soucis. Plusieurs frères et sœurs ont des problèmes. Ça ne trouve pas la solution. Parce qu'ils n'ont pas encore bien rencontré Jésus-Christ de la Bible. Perdu en pleine église. C'est l'état de plusieurs chrétiens. Vous êtes venus prier, au lieu de prier, vous ne priez plus. Vous commencez à chercher pourquoi est-ce que la chair est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre ça bleu? Et du coup, vous vous écartez de votre objectif. Certains esprits opèrent pour nous empêcher d'accéder à la bénédiction. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Lorsqu'il dit Jésus de Nazareth, ce n'est pas une considération. Les démons se moquent de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on dit Jésus de Nazareth, c'est une humiliation. C'est comme une moquerie. Oh oh. Nazareth, c'est rien. Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Jésus ne va pas tenir compte de ça. Alléluia. Lorsque le royaume arrive, le royaume des cieux, le royaume de Satan doit fuir. Il y a une guerre dans ce monde. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens sur la terre en train de souffrir parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Maintenant, si vous voulez vaincre le diable, vous devez changer de stratégie. Dis, je change de stratégie. Vous ne pouvez pas vaincre le diable sans un, la vie de prière. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre le diable deux, sans la vie de jeûne. Vous ne pouvez pas vaincre le diable trois, sans la consécration. Et pour vaincre le diable quatre, il faut avoir la foi. Alléluia. Vous devez avoir la foi pour manifester, n'est-ce pas, le royaume de Dieu dans votre vie, dans votre milieu et dans votre famille. Corama sandaria masa. Ne peke ya masa.
Les royaumes furent le thème principal du message de Jésus sur la terre. Il commença son ministère public en proclamant « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Marc 1, verset 15. Par son message, il disait que sa mission était d'établir le royaume de Dieu en accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Vivre sous le règne de Dieu, c'est mener une vie humaine telle qu'elle fut conçue par Dieu. Vivre sous le règne de Dieu signifie profiter de ses bénédictions et de la vie abondante. Le royaume vient pour restaurer l'homme dans sa position initiale d'autorité mamlaka. Vivre le royaume de Dieu veut dire, selon un auteur, le royaume est le peuple de Dieu dans le pays de Dieu sous le règne et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il dit le royaume est le peuple de Dieu dans le pays de Dieu sous le règne et la bénédiction de Dieu. 400 ans se sont écoulés depuis la fin de la rédaction de l'Ancien Testament jusqu'au début du ministère public de Jésus-Christ. Et ceci lorsqu'il entre en scène, il dit le moment est arrivé. Et le royaume de Dieu est proche, Marc 1, 15 encore. C'est-à-dire, l'attente est terminée. Vous ne pouvez plus attendre le royaume. Le roi, Dieu, est venu établir son royaume sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez plus attendre ce qui devait déjà venir. Ce qui devait venir est déjà là. Maintenant, lorsqu'on va arrêter Jean-Baptiste, il va envoyer ses disciples aller lui poser la question. Devons-nous encore attendre? Est-ce que c'est lui le Messie? Il va dire oui. Allez lui dire. Les aveugles voient. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Les morts sont ressuscités. Et le royaume est venu parmi les hommes. Voyez le royaume. Le royaume ne peut pas supporter la méchanceté. Le royaume ne peut pas supporter la souffrance dans la vie des gens. Dans le Nouveau Testament, nous présente quatre dimensions du royaume. Il y a un, l'annonce du royaume. Deux, le royaume présent parmi les hommes. Trois, le royaume proclamé par son roi Jésus-Christ. Quatre, l'établissement futur du royaume. Il y a les quatre dimensions du royaume. Et ce royaume, lorsque ce royaume viendra, ça viendra pour changer les choses. Alléluia. Certaines situations, vous les vivez parce que vous n'avez pas encore expérimenté le royaume. Certaines maladies, vous les avez parce que le royaume ne s'est pas encore manifesté dans votre vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire que le royaume va se manifester. Alléluia. Le royaume va se manifester. Je sens les choses que Dieu va faire aujourd'hui. Vous savez, dans le royaume, ça exige la puissance. Alléluia. Cette puissance dynamis, lorsqu'elle est libérée, c'est pour traiter, des fois pour brûler, détruire systématiquement l'œuvre du diable. Alléluia. Amen. C'est vrai comme papa qui est ici. Vous appelez comment? Joseph. Le royaume, quand il vient, le royaume vous protège. Vous voyez? Le royaume vous protège, vous sécurise, comme le royaume de Dieu vous a protégé. Cette église, c'est comme votre royaume. Moi, je vous l'ai dit. Là, maintenant, je suis dans le royaume. Sonda Rabayasa. Oh Ramas. Le royaume vous a protégé. Vous savez, il y a des gens qui sont protégés par Dieu. S'il n'y a pas Dieu, ils ne peuvent pas vivre comme vous, vous êtes là. C'est Dieu qui vous a protégé. À cause de l'église de Racheté, Karamayandéria, Satarabayata. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui a l'Esprit du Seigneur sur lui. Koriamandéria Basa. Dieu vous a protégé. Il enlève les maladies parce que le diable voulait tout le temps que tu sois opéré tout le temps. Quand je vois comme mon père. Et je vois quelqu'un que le diable veut qui souffre tout le temps par des maladies. Qui soit tout le temps opéré. Qui soit tout le temps opéré. Diabète, problème de santé, problème de tension, problème de prostate, problème de maladie. Et le diable veut ça. Mais l'église t'a baqué, t'a protégé. Dans les trois dernières années, tu allais mourir. Puis tu es là, c'est Dieu. Non, je suis. Oh, Ramayasa. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé. Le Dieu de l'église t'a sécurisé. C'est vrai. Maintenant, si tu n'étais pas dans le royaume de Dieu, dans une église de prière, je tiens à vous dire que vous ne seriez pas vivant. C'est très vrai. Tu ne serais pas là. Pas du tout. C'est le Dieu de cette église qui t'a baqué.
Parce qu'il y a trop de combats spirituels autour de ta vie. Maintenant, le Dieu de racité t'a protégé. Non, non, viens, on va pas prier. Venez, papa. Venez. Le royaume est en train d'opérer. Nous sommes opérationnels. Quelqu'un doit être derrière. Ah, tu ne vas pas t'asseoir sur une chaise roulante. La grâce est merci. Parce que quand tu enlèves les lunettes, on voulait même qu'on opère tes yeux. Oh, Rabayasa. Kanderiabasa. On voulait même qu'on opère ses yeux. On voulait que tu deviennes aveugle. Que tu ne voyes pas. Mais le Seigneur t'a protégé. Et le Seigneur me dit, si tes gardes, c'est à cause de ta présence et de ta fidélité dans l'église. C'est à cause de ça. Tu es un témoignage vivant que Jésus-Christ ne faillit jamais. Marasada Kabayase. Sanda Rabaya Kotorobosa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Sande Rabayasa. Je protège ta vie. Par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. En te touchant, l'Esprit de Dieu me parle que tu as fait beaucoup de bien aux gens. Mais les gens ont été très ingrats envers toi. C'est à cause de ton cœur, ton bon cœur, que Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est très vrai. Hein? Non, c'est très vrai. C'est très vrai. L'Esprit de Dieu est sur moi. Maintenant, c'est ça ma bête. C'est pour ça que Dieu t'a protégé. Dieu te protège parce que tu as un bon cœur et tu aimes vraiment Dieu. Tu n'aimais pas Dieu. Donc, c'était fini. Fini. Mais. Cette église, je serai déjà parti. Ah, répétez ça, répétez. Il faut répéter la phrase. Il a. C'est grâce à Dieu pour ce que je suis fréquenté cette église. Si je ne suis pas venu dans cette église, je ne serai plus dans ce monde. C'est grâce ici. Amen, amen. Maintenant, tous ceux qui ont voulu te décourager sont dans la honte. Reste là, papa. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu te protège. Qu'il te guérisse. Qu'il te rétablisse. Qu'il te restaure. Qu'il te sécurise. Qu'il te donne des jours heureux. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts. Je les détruis au nom de Jésus. Que Dieu te protège. Papa, tu es béni. Un homme qui est dans le royaume des cieux ne fonctionne pas comme tous les hommes. Il doit tout le temps aspirer que Dieu fasse de lui un homme de feu. Un homme qui est dans le royaume des cieux, il doit tout le temps aspirer que Dieu fasse de lui une personne qui traîne le feu, une femme de feu. Il faut que ta famille puisse connaître ton Dieu. Qui est ton Dieu? Cet homme était à l'église, mais il était malade à l'église. Cet homme était à l'église, mais il était tourmenté par des démons. Cet homme était à l'église, mais il était tourmenté par des esprits. Un type comme ça pourra facilement manquer du respect au pasteur. Un type comme ça pourra facilement traiter le pasteur de tout et de rien, parce que les démons vont lui donner l'impolitesse notoire. Les démons vont le pousser à détruire la source de sa bénédiction. Mon Dieu, mon roi. Mais quand Jésus arrive, oh, Rachakatamayasa, certaines impolitesses que vous voyez dans les églises, ce sont les signes clairs des démons. Parce que les démons ne sont pas polis. Les démons ne respectent pas les cravates ni les maquillages des saints. Vous pouvez être belle comment, mais être possédé. Pour être beau avec des diplômes, traînant, parlant français, un bon anglais. Moi j'ai étudié Katuka. Donc tu as étudié, mais tu as un problème spirituel. Ton problème, c'est un problème de démons. Et ça prend le royaume. J'ai le royaume, je peux détruire ces démons-là par l'autorité que Dieu m'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu ici comme un apôtre, oué par Jésus-Christ, proclamer le royaume dans la vie de quelqu'un. Annoncer un temps nouveau qui arrive à tous ceux qui étaient désespérés. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut voir la main de Dieu. Que Jésus-Christ, je déclare que Jésus ne faillira pas dans ta vie. Yes. Je déclare que Jésus ne ratera pas ta vie. Je reçois. Lorsque Jésus entre dans une famille, ah, il ne peut pas sortir de là, uh-huh, sans produire des résultats. My God. Lorsque Jésus entre dans une église, uh-huh, il ne peut pas sortir de là, uh-huh, sans qu'il y ait des signes palpables. Uh-huh. Je vois les dieux de la Bible, uh-huh, entrer dans une vie, mm,
secouer la vie de la personne et apporter la guérison, apporter la restauration, apporter le mariage. Je t'annonce un temps nouveau où Jésus va te visiter sans te consulter. Je reçois. Tu ne seras pas prévenu. Je reçois. Il ne va pas te consulter. Je reçois. Ta délivrance va se faire. Je reçois. Sans consultation. Je reçois. Ça va se faire avec brutalité. Je reçois. Avec violence. Je reçois. Au nom de Jésus. Reçois ta part. Je reçois. Reçois ta bénédiction. Je reçois. Reçois la grâce de Dieu. Je reçois. Reçois ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. La gloire de Dieu est dans ces lieux. Le Seigneur vient libérer les vies. Il veut restaurer les vies. Oh, rebondissez. My God. My God. My God. My God, 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 my God. Le Dieu de racheté est un Dieu tout puissant. Le Dieu de Jésus ne faillit jamais. Est un Dieu capable de faire des choses. Oh my God. Oh Jésus. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Je te fortifie, Dieu ne va pas te laisser. On ne panique pas. Celui-là qui veut que tu aies lui-même va mourir à ta place. Quand vais-je te dire? Tu vas pas mourir. Ça c'est fort. Celui-là qui voulait te tuer, lui-même va mourir à ta place. Parce que tu as compris. Je t'annonce que tu ne vas pas mourir. Mais là, touche ton dos. Touche ton dos. Que Dieu enlève toutes ces douleurs là qu'on voulait mettre dans ton dos pour déranger ta santé, pour te rendre malade, pour déstabiliser ta vie, pour déstabiliser ta santé. Comme c'était un plan de sorcier, maintenant touche ma main. Je retourne à l'esprit de terre, les flèches qui t'ont touché. J'enlève cela. J'enlève cela. Que ça te quitte. Que ça te quitte. Au nom de Jésus. Ça retourne à l'esprit de terre. Ça retourne à l'esprit de terre. Ça retourne à l'esprit de terre. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa santé. Barasata kabayosa. Libérez sa vie. Esprit de mort, retourne à ton esprit de terre. Au nom de Jésus. Elle ne mourra pas. Je le refuse. Oh Rabasa. Viens avec moi, Jésus. Jésus. Manifeste. Manifeste. Ton royaume. Ton royaume. Mais t'avais voulu la tuer. Tu ne peux pas la tuer. Vous êtes dans une église où Dieu délivre. Vous savez, l'autorité spirituelle exouse, même si tu es court, même si tu es mince, c'est une question de tenue que vous avez. C'est l'uniforme que vous portez qui vous donne l'autorité. Ce n'est pas les biceps. Un petit jeune policier peut t'arrêter en route. C'est là le royaume. Et comme le royaume est arrivé, le royaume veut libérer plusieurs vies maintenant. Alléluia. J'aimerais que nous entrons dans une autre dimension. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ce que l'homme avait perdu dans le jardin, Jésus a récupéré ça. Il ressuscite, il dit, tout pouvoir. Il a repris son autorité et il donne ça à l'église pour le représenter valablement. Nous avons le pouvoir exousia, de neutraliser et d'imposer la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que Jean pleurait dans l'Apocalypse, il était désespéré, il pensait que le royaume était fini, qu'on avait tué Jésus, c'était fini. Jésus les avait oubliés. Alors qu'ils étaient sous Néron, sous la persécution, ils pleuraient. Il va dire, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Je ne suis pas sigma. Je ne suis pas epsilon. Je ne suis pas theta. Je ne suis pas gamma. Je suis alpha et l'oméga. Tout ce qui est au milieu, gamma, theta. Je ne suis pas là. Je suis juste le premier et le dernier. Je suis venu dire à quelqu'un. Si tu avais appris que Dieu était le Dieu qui se lève toujours le dernier,
Aujourd'hui, je te change la mentalité. Dieu ne se lèvera pas toujours le dernier. Dans certains combats de ta vie, Dieu va se lever comme l'alpha. Il ne sera pas toujours au même cas. Oh my God. Quittez votre révélation de Job. Oh my God. Dieu ne va pas seulement attendre Omega, Alpha. Et il va tellement attendre Omega. Non. Dieu est Omega, il est aussi Alpha. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu puisse s'élever dans sa vie. Oh my God. Comme Alpha. My God. Pas seulement comme Omega. Je dis pas seulement comme Omega. Alléluia. J'appelle Alpha. Alpha. Le Dieu de tout temps. Que Alpha puisse descendre. Le Dieu qui va restaurer ta vie. Au nom de Jésus. Le Dieu de racheter. Au nom de Jésus. Le Dieu qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus. Le Dieu de la libération. Au nom de le Jésus. Le Dieu de la délivrance. Au nom de Jésus. Le Dieu de guérison. Au nom de Jésus. Il est aussi Alpha. Au nom de Jésus. Il est Alpha. Il est le Dieu qui délivre. On reste tous debout dans la présence. On chante Alpha Omega. Seulement les rythmes. Restez dans votre place. Relâche-toi, sois relax. Dépose la Bible. Entre dans sa présence. Kore manda rabasa. Abraka rabasi. Ndeko pori ande rabasi. Kore bosangeri abase kere. Eria sata koremanda la basse. Sois concentré dans la présence de Dieu. Que la dose de ce lundi puisse atterrir dans ta vie. Alpha Omega. O rebasse de rebosi. Alpha Omega. Alpha Omega. Oreba Santa Yabako. Alpha Omega. Lobara Kantere Besuka. Frères et sœurs, nous allons appeler le Dieu de tout temps. Nous allons appeler ce grand Dieu en ce lieu. Nous allons dire à Jésus-Christ de Nazareth de se manifester parmi nous. Nous allons dire à Jésus-Christ de libérer la gloire en ces lieux. De détruire tout ce qui était dans nos vies. Jésus n'a que faire des gens qui veulent te voir souffrir. Ce qu'il veut, c'est finir ton problème. Comme un seul homme, nous allons lever nos voix, nous allons prier. Nous allons appeler Alpha et l'Oméga. Prions maintenant. Le Dieu de mon salut vient, Seigneur, libre. Appelle Alpha l'Oméga, chaque attendre de la vie. Appelle Jésus dans ta vie. Continue de prier.
Il est le Dieu qui fait les choses. Il est le Dieu qui libère nos vies. Alpha Omega, Jésus, Barabai Maintenant, tu vas faire cette prière avant que je ne touche certaines personnes. Tu vas dire à Dieu de se manifester dans ta vie. Qu'il enlève ce qui est cassé en toi, qui retarde ta vie. Qu'il enlève la maladie. Qu'il enlève la pauvreté. Qu'il enlève les blocages. Qu'il enlève les combats de ta vie. Qu'il enlève cette force qui dérange ta destinée. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Prie dans ce sens au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous battons les mains, nous battons les mains, nous battons les mains. En battant les mains, élevez les voix. Sois dans la prière. Que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur visite ta vie. Que le Seigneur touche ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur délivre ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus. J'appelle les formidables. Au nom de Jésus. J'appelle les dieux de la Bible. Au nom de Jésus. Oh, sécurité, sécurité, s'il vous plaît. Laissez-la à terre. À terre, à terre. Sécurité, s'il vous plaît. Soyez derrière les gens. Frère Josué, s'il vous plaît, soyez derrière les gens. Hey. Soyez derrière les gens. Wow. Wow. My God, my God, my God. Soyez derrière. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. Voilà. Sors, l'esprit impur. Sors. C'est là, c'est. Sors. Allez, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Battez les mains, battez les mains. Va-t'en, va-t'en. Ramenez-la ici. Raison. Raison. Ramenez ça ici. Soyez derrière les gens. Come on. Come on. Come on. Come on. Wow. Viens par ici, Sylvie. Par ici. Par là, par là. Élève tes mains. Ouvre ton cœur. Soyez derrière les gens. Wow. Wow. Le feu de Dieu est ici. Libère sa vie. Get out. Le feu de Dieu est ici. Para
Sors, allez, va-t'en, va-t'en, esprit impur. Va-t'en. Va-t'en. Élève les mains. Ouvre la bouche. Sors. Allez, va-t'en. Restez en prière. Battez les mains. Fermez les yeux. Sois concentré. Wow, ça déborde ici. Amenez-la, quelqu'un tombe. C'est pas grave, amenez-la ici, aidez-nous là-bas. Merci beaucoup. Élève tes mains. Pagne ici. Élève tes mains, visage au ciel. My God. Ramenez-la au panier. Ramenez-la ici. Ramenez-la au tapis. Allez, venez avec elle, que les patients la touchent. My God. Par ici. Viens que les patients te touchent. Élève tes mains, ouvre ton cœur. Ramenez-les ici. On est là, sur la moquette. Amenez un sachet ici. Rapidement, en courant. Libérez là, totalement. On vous avait dit ces choses. Sachez dans le là. My God. Inquiétez-le. Wow. Laissez-la à terre. Il y a une moquette pour ça. Laissez-la à terre. Ça déborde ici. My God. Battez les mains. Restez en prière. Restez en prière. Laisse-la elle-même tenir. Elle n'arrive pas. Sortez. Wow. Sortez. Mais qu'elle connaît. Sors ici. Allez, sortez. Viens par là. Ouvre-toi bien. Ça, c'est... Wow. Battez les mains. Battez.